Good morning, my stars, my people. I love you all. I'm so thankful to meet you again. And from my last video and on my last video, yes, I was picking about people with high potentials, how these people can do so many things at the same time. People have who are empath people, and are some of my friends because with my education, I've studied with English people and French people, so I have all my education and. Also, as I was working, I dealt with people of English-speaking people. So they told me that they saw the video that I've done, and they were happy about it. But some of them didn't hear everything I was saying inside. So they told me to like begin to do also in English, like say something in English for them, so that they can be hearing what I'm about, what I'm doing. So, as I told in the first video, the presentation video, we'll be talking about many topics like education of children, empathic people, multi-potential, as I did last time, the dreams. Like today, I will talk about dreams. Also, be talking about what is health through natural. To plants, yes, how to be healed of these many sicknesses through only the natural cures, and also on any other topic that God will put my heart to share with you, I'll be sharing with you. And also, if you have a topic that you want me to speak about, please feel free to put it in the comments or tell me that you want me to discuss about this or that. So today I want to talk about some advices for people who are dream persons. Yes, so I will be talking in English and French so that everybody is satisfied. Donc aujourd'hui nous allons parler de personnes qui rêvent, voilà, des personnes qui rêvent, qui parfois ont des rêves, qui n'arrivent pas à interpréter leurs rêves, qui n'arrivent pas à en parler, qui ont des rêves parfois violents, qui partagent parfois des rêves qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes, qui n'arrivent pas à se rappeler de leurs rêves. C'est des astuces en fait pour vous aider à vous rappeler de vos rêves, qui vous aidera, des astuces qui vous aideront, s'il vous plaît, à pouvoir avoir une vie plus facile. Parce que lorsque vous pouvez recevoir des messages de Dieu qui vous parle en rêve, c'est plus facile pour vous de vous préparer à ce qui arrivera, ou à pouvoir annuler, briser ce que vous ne voulez pas voir. Donc, nous allons partager aujourd'hui ensemble 21 astuces. Je vais essayer d'aller rapidement parce que je ne veux pas que la vidéo prenne beaucoup de temps. Donc, je vais essayer de partager avec vous 21 astuces pour vous permettre d'avoir une vie spirituelle et pouvoir voir clairement dans vos rêves et pouvoir les interpréter facilement. Il y aura d'autres vidéos qui viendront après. Voilà, mais je voulais commencer par ces deux-là. Donc, premièrement, nous devons comprendre que les rêves, c'est vraiment quelque chose que nous devons, si nous ne rêvons pas, s'il y a des gens qui ne rêvent pas du tout, vous devez pouvoir demander à Dieu de vous donner des rêves, parce que c'est des messages par lesquels Dieu nous parle. Bon, avant de commencer les 21 astuces, je voudrais d'abord de définir avec vous, c'est quoi un rêve? Les rêves, c'est les moyens. Le rêve, c'est un moyen par lequel Dieu parle à l'homme. So, dreaming is a way through which God is speaking to man. There's information God wants to pass to us, but since we are human beings, blood and flesh, he will make us to sleep so that he can speak to us those information. Donc, Dieu veut nous parler, et comme nous sommes physiques, humains, chair et sang, voilà. Il a besoin que nous dormions parce que nous sommes un esprit, nous vivons dans un corps et nous avons une âme. Il parle à notre âme lorsque nous dormons, à notre esprit. Les rêves également, c'est des moyens par lesquels le spirituel vient, se manifeste dans le physique. Voilà. Donc, vous pouvez voir les choses spirituelles
Vous étant dans le physique, vous pouvez voir ces choses-là et ces choses viennent à la manifestation en passant par les rêves. Également, on va trouver que dreams are the ways that spiritual breaks into the physical. Et puis, nous avons également d'autres moyens par lesquels Dieu peut parler à ses enfants. Il y a la voix de l'intuition, il y a la parole de Dieu, il y a aussi les conseils des parents, que ce soit les parents biologiques, les parents spirituels, les leaders. Voilà, la liste n'est pas exhaustive, il y a plusieurs moyens par lesquels Dieu peut parler. Donc, comme je disais, premièrement, la première astuce, c'est que vous devez faire en sorte que Dieu puisse vous parler. Si vous ne recevez pas de rêves, de messages par les rêves, faites attention, c'est pas normal. Dieu va pouvoir vous parler par les rêves. Voilà. C'est un moyen par lequel Dieu parle. Il a parlé dans la Bible à Abimélec, à Joseph, à plusieurs personnes par les songes et par les rêves. Il les a avertis du danger qui arrivait. Il les a préservés, protégés de beaucoup de choses. Et donc, comment le chercher, comment on cherche le Saint-Esprit, comment on cherche le baptême du Saint-Esprit. Bon, aller devant Dieu, j'ai soif, Seigneur, de ce que tu puisses me parler, de rêves et des songes, tu peux me parler, de me donner des messages afin que je ne sois pas surpris par la vie, par tout ce qui m'arrive. Je ne veux pas vivre comme un captif. Imaginez-vous que Pharaon n'avait pas, parce qu'il y a certains rêves qui sont liés, auxquels certaines destinées sont liées, des destinées qui sont liées à des rêves. Imaginez que Pharaon n'avait pas, dans la Bible, n'avait pas fait le rêve pour que Joseph puisse l'interpréter. Joseph aurait terminé sa vie en prison. Il serait mort en prison en tant que captif. Je vais le dire aussi en anglais pour que les années en profondeur puissent aussi ce que je dis. So imagine that. So you should be going before God and panting, asking for him to give you the gift of receiving dreams. Yes, it's very important because through dreams in the Bible, he has been talking to Joseph, many other people, Abimelech. He was warning them and was counseling them, telling them what to do, instructions. So if you don't dream, it's a very bad thing. You should be going before God and praying for that. God help me to begin to receive messages in dreams, to interpret them. I don't want to die like a captive, like Joseph. If Pharaoh did not have a dream for Joseph to interpret it, and he would have died, Joseph would have died in prison as a captive. So some dreams are, some destiny are tied to dreams. Number two point, le point numéro 2, c'est qu'avant de dormir, une astuce qu'il faut faire, c'est de prier. Préparez-vous comme un soldat qui va à la bataille. Parce que lorsque vous dormez, il y a toute une bataille qui se passe. Pendant la nuit, les esprits méchants, ils travaillent, ils rôdent partout, ils font du mal. C'est là où c'est le temps qu'ils injectent le mal. Parce que la Bible dit dans Matthieu 13, verset 25, que, mais pendant que les gens dormaient, l'ennemi vint et s'est mal livré parmi le blé et s'en alla. Et Matthieu 13, verset 25, il dit, but while men slept, the enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. Donc, nous devons prier, Seigneur, au nom de Jésus, que toute ivraie que le diable veut venir planter, hein, que cette ivraie ne puisse pas grandir dans ma vie. Voilà. Demandez aussi pardon aux gens autour de vous, si c'est à votre conjoint avant de dormir, à vos enfants. Si vous pouvez, les gens, ces personnes sont autour de vous, demandez-leur pardon avant d'aller au lit. S'ils ne sont pas auprès de vous, demandez pardon à Dieu, Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait à telle personne avant d'aller dormir. C'est important. Donc, vous vous préparez spirituellement parce que vous savez que la nuit, il y aura l'ennemi qui va venir travailler. Et bah, priez déjà que Dieu vous préserve pendant que vous dormez. Et aussi, ce que vous regardez à la télé avant de dormir, c'est important. Oui. Dans ce que vous allez rêver, parfois, c'est ce que vous avez vu avant de dormir. Dans les chaînes de télévision, je sais pas moi, les films, voilà. Faites attention à ce que vous regardez. Si vous êtes quelqu'un qui rêve régulièrement, et quand je parle de quelqu'un qui rêve régulièrement, je parle de quelqu'un qui a au moins 3 rêves par semaine, et même plus. C'est-à-dire qu'il y en a parfois 5 rêves par semaine, il y en a tous les jours quand ils dorment, ils rêvent. Donc vous êtes un messager, quelqu'un que Dieu utilise pour donner des rêves, qui reçoit des messages par les rêves pour lui-même et pour les autres personnes, pour les autres personnes. Donc quand vous avez une vie comme ça, vous devez essayer de limiter ce que vous regardez à la télé, regardez ce qui ne va pas troubler votre esprit. Si votre esprit est troublé, vous n'aurez pas de bons rêves la nuit, ou alors vous ne pouvez pas voir clair dans vos rêves. So I was saying that the number two step is that before you sleep, prepare yourself as a soldier before the battle. Say, I commit my dreams to God. Because as I just read the verse, during the night he will come and sow tears. The devil will come and sow tears and went his way and he will go his way. So pray that every tear that they will come and plant will never grow in the name of Jesus. And also we ask for forgiveness to God.
you have hurt anyone, ask for forgiveness. If your husband or your children, make sure you sleep in peace. Or ask God, God forgive me for those, for that this thing I've done to this person, this person. So, and also, watch before you sleep is very important. Be careful what you, the movies you watch on TV or computer before you sleep. It also, before you go to bed, it matters because it will impact on your dreams. Troisième point, c'est que, parce que nous avons 21 points, j'espère que nous allons pouvoir aller très vite et que la vidéo n'a pas mis beaucoup de temps. Troisième point, c'est que pendant la journée, n'ouvrez pas les portes à l'impureté. Et que remplissez-vous de la parole de Dieu. Et quand je dis les portes à l'impureté et au mal, donc évitez de regarder, de voir, c'est-à-dire quand je dis les portes, c'est les yeux, les oreilles, la bouche, hein, de parler des mal des gens, des médisances, passer toute la journée à papoter, à ne rien dire de bon, à regarder ce qui n'est pas bon à regarder, à jalouser, à envier, à être séduit par toutes choses. Ces choses-là rentrent dans notre esprit et affectent notre esprit. Et puis la nuit, nous rêvons des choses qui sont pas évidentes, qui sont pas bien, parce que nous avons laissé la porte ouverte en journée. Donc nous devons prier, Seigneur, je ferme toute porte de mon esprit, je couvre toute porte de mon corps, parce que notre corps, notre âme, notre esprit, ce sont des moyens de transmission. Ferme toute porte de mon corps, de mon âme, de mon esprit avec le sang de Jésus. Je me couvre avec le sang de Jésus afin de ne pas avoir des pensées démoniaques, des pensées de démoniaques sataniques, des pensées qui viennent dans ma tête pour faire le mal, pour faire les mauvaises choses, que ces choses-là ne viennent pas me tourmenter pendant la journée. Priez pour vous débarrasser de ces choses-là. Parce que si vous avez ça en journée, la nuit, seulement, vous allez avoir des rêves très violents. Donc, la Bible dit par rapport au sang de Jésus, que nous devons plaider au sang de Jésus sur notre esprit, âme et corps pendant la journée, pour ne pas avoir de mauvais rêves la nuit. La Bible dit dans Exode 12, 13, que le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. La Bible dit dans Exode 12, 13, « And the blood shall be to you for a token upon the houses where ye are. And when I see the blood, I will pass over you, and the plague shall not be upon you to destroy you when I smite the land of Egypt. » Donc, le sang, c'est une arme que vous pouvez utiliser pour combattre toutes ces forces-là qui viennent pour vous tourmenter et après pour vous donner une vie où vous avez des rêves qui vous tourmentent encore plus. Donc, you can use the blood of Jesus to cleanse your body, to seal all those doors in the day, so that in the night you don't have those bad dream nightmares. Number four, quatrième point, c'est que vous pouvez appeler la protection, appeler les anges, demander aux anges de vous protéger, de prendre contrôle de vous pendant que vous dormez, avant de dormir. Ça, c'est les prières à faire avant de dormir. Vous demandez aux anges de venir vous protéger, vous demandez la protection angélique. Nous voyons ça dans le psaume 91, le verset 11, qui dit « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » This is Psalm 91, verset 11, il dit « He shall give his angels charge over thee, to keep thee in all thy ways. » On peut également prendre le psaume 125, le verset 2, et le psaume 127, verset 2, également, pour prier par rapport à la protection divine, avant de donner la protection angélique. « So ask to the angels to come, number 4, ask to the angels to come, and take charge over you as you sleep. Because he said in Psalm 91, verse 11, that he shall give his angel charge over thee to keep thee in all thy ways. So you can also pray with Psalm 125, verse 2, and Psalm 127, verse 2. Number 5, second point, that if you dream and forget your dreams, you are like a blind man that is trying to cross the road alone. There are vehicles passing by, cars are passing by. He will have inevitable accidents because you don't have any help. You don't have any help. If you don't remember your dream, this is very, very bad. If you don't dream also, as I said it earlier, pray not to be blind anymore and remember your dreams and any praying. And you remember, pray that God will make you to remember your dreams. Yes. And be praying in tongues. When you pray in tongues, like for 15 or 20 minutes, like every day, if you can't remember your dream, you will start dreaming again, and the dream will come back, and you will remember them. Amen.
Donc, bien comme je disais, et si vous ne vous rappelez pas de vos rêves, vous rêvez, mais vous ne vous rappelez pas. Tout le temps, vous oubliez les rêves. Ce n'est pas une bonne chose du tout, du tout. Ne restez pas tranquille, non? Rentrez en prière, demandez. Vous êtes comme un homme aveugle qui traverse, qui essaie de traverser une route où les voitures passent. Il n'a pas d'aide. Il y aura accident. De toutes les façons, il y aura accident. Donc, rassurez-vous que vous priez, que Dieu vous fasse en sorte que vous vous rappeliez de vos rêves. Et priez en langue. Pour les chrétiens qui sont baptisés du Saint-Esprit, priez en langue. Prenez au moins 15 à 20 minutes par jour, 30 minutes si possible, priez en langue. Et vous verrez que ces rêves-là vont revenir. Et vous allez vous rappeler de vos rêves. Alléluia. Et vous devez vous rappeler de vos rêves. Si Pharaon, qui était un païen, a pu se rappeler du rêve qu'il a eu pour expliquer cela à Joseph, pour sauver toute une nation, plus forte raison, vous devez vous rappeler de vos rêves. Vous devez vous souvenir de ce que vous avez rêvé quand vous réveillez. Ça va vous sauver de beaucoup de choses. Amen. So I'm saying that if Pharaoh could not remember his dream, to explain it to Joseph, how could Egypt be? The whole world at that time would have starved to death. Yes. So if he can remember, he an unbeliever. So you should remember your own dream also. Number 6 point. Le sixième point, c'est que don't be all over in your life. Number 6 point, don't be all over in your life. Don't be doing things like unbelievers, like people that don't know God. They are just talking anyhow, gossiping, praying, and just be drinking and eating anything. You also you begin to eat and drink anything, anytime, anyhow. Be gossiping, be doing things like this. No, you can't live anyhow. Because it will confuse your dream. It will make your dream more confused. You will not even know where to start to explain or to interpret it. So watch over your five senses. Watch over your tongue. Filthy communication, those things, watch over them. Donc, je disais le sixième point, ne veuillez pas une vie désordonnée, une vie de débauche. Ne suivez pas comme un incroyant, quelqu'un qui ne croit pas, qui ne croit pas en Dieu, qui parle n'importe comment, qui parle sur le temps à médire des autres, les médisances, qui boit n'importe comment, l'alcool, qui fume, l'alcool, le tabac, par-ci, par-là, les drogues, tout ça. Vous devez éviter ce genre de choses. Si vous êtes quelqu'un qui reçoit des messages, vous êtes quelqu'un qui rêve beaucoup, qui rêve régulièrement, pour que vos rêves soient clairs, que vous puissiez les interpréter, aidez-vous, vous sauver vous-même avec vous. Parce que les rêves viennent pour que vous soyez sauvé et sauver d'autres personnes. Vous ne devez pas passer par vous pour parler de la vie des autres personnes. Essayez de vivre une vie vraiment, une vie propre, afin que vos rêves ne soient pas confus. Sinon, tout sera confus et vous ne pourrez rien voir ou ne plus voir du tout. Le septième point, c'est que ne dites vos rêves à personne. Personne ne divulgue pas vos rêves. Ça, c'est des erreurs que nous avons faites quand nous étions tout jeunes. Même encore récemment, on continue à faire ces erreurs parce qu'on n'était pas encore averti, on n'était pas encore bien, voilà, nous n'étions pas encore bien affermis dans ces choses-là. Ne dites vos rêves à personne. Et si vous voulez les dire, choisissez des gens qui sont plus spirituels que vous, qui sont au-delà, c'est-à-dire au-delà de votre propre spiritualité, qui peuvent comprendre. Vous aidez peut-être à mieux interpréter si vous-même vous n'avez pas bien interprété. Mais ne dites pas aux autres. Ne dites pas vos plans aux autres. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Au contraire, parmi les gens à qui vous racontez vos rêves, il y a des gens là-dedans que le diable utilise pour vous faire du mal. Une fois qu'ils savent que vous pouvez voir dans les rêves, ils vont vous bloquer. Après, vous ne pouvez plus rien voir. Vous ne pouvez plus rien voir. Donc, c'est un peu ça. Huitième point, don't be telling your dreams to people. You can choose like one or two persons, like. People who are spiritually higher than you to explain to them. If not, don't tell your plans, people. Don't tell them your dreams. If not, they will come back to backfire. You make them, don't see them anymore. Don't see anything anymore. Number eight, huitième point. Take some time in the day, at least 1 hour, to reflect the word of God. Reflect on your life. Meditate the word of God to see more clearer in the dreams. Donc, faites effort vraiment en journée. Pour le huitième point, de pouvoir méditer la parole de Dieu, la lire, la recevoir en journée, de pouvoir se remplir de la parole de Dieu, afin que la nuit vous puissiez la nuit vous puissiez avoir des rêves plus clairs. Donc, vous avez une personne de la parole de Dieu qui lit la parole, qui suit les messages,
y a aussi des messages que vous pouvez suivre, des messages des anges, moi, voilà, qui vont bâtir votre foi, qui vont donner plus de paix spirituellement. Voilà, vous serez plus à l'aise. Et puis, prenez du temps. 30 minutes, une heure, c'est bien, une bonne durée, pour pouvoir étudier la parole de Dieu et méditer là-dessus, au moins tous les jours. Vous pouvez prendre le temps de vos pauses, vous pouvez prendre le temps de. Rassurez-vous que vous prenez du temps avec Dieu. Et le point qui découle du point que nous avons parlé, nous avons dit tout à l'heure, de ne dire ses rêves à personne, c'est le point numéro 9, nous allons voir, c'est d'avoir pour meilleur ami le Saint-Esprit. Donc, puisque vous ne dites vos rêves à personne, il faut bien que vous parliez à quelqu'un, c'est le Saint-Esprit. C'est au Saint-Esprit que vous pouvez dire vos rêves, c'est à lui que vous pouvez développer ce que vous avez vu, c'est à lui que vous pouvez dire vos plans, ce que vous avez envie de faire. Oui, Saint-Esprit, j'ai envie de voyager dans 2 semaines, j'ai envie de faire tel examen, j'ai envie de faire ceci, cela, aide-moi, qu'est-ce que tu en penses, comment est-ce que je dois le faire, et il vous répondra. Et lorsqu'il vous répond, s'il vous plaît, appliquez à la lettre. Ça, il y aura une autre vidéo pour qu'on en parle, les instructions, la voie de l'intuition, comment Dieu parle et comment est-ce qu'il faut faire, il faut réagir, comment appliquer. Lorsque le Saint-Esprit vous répond, parce qu'il vous répondra, c'est une personne. Répondre, appliquer à la lettre. Don't speak, as you are not speaking, you're talking to people. Number 9 point says that you have the best friend, that your best friend should be the Holy Spirit. That's the person, the only person that you have the authority or you have the permission to say everything. Everything. That is all your dreams, you must tell the Holy Spirit. All your plans also, what you want to do. Like in 2 weeks, I want to travel. What do you think about this? How should we, why should I do this? How should I do that? The Holy Spirit that you can only speak. And He will reveal, He will answer you what to do. And when He tells you what to do, please apply it. Obey Him at the letter. When He replies, because He will reply. He always replies. It is a person. Number 10 point is that get a notebook to write down your dream. Ayez un carnet de notes. Lorsque vous réveillez le matin, vous allez rêver la nuit. Parce qu'à ce moment, la mémoire est encore fraîche, vous avez le rêve là. Parce que si vous ne le notez pas, vous allez prendre le petit déjeuner, vous revenez, le rêve a disparu. Take a notebook and write it down. Because by the time you go and eat, you go and oui, you come back, the dream has appeared, has gone. So have a notebook just at the head of your bed or somewhere around your bed. When you wake up like this, you write it down with the date and if you can remember the hour you dreamed. Was it around 3 a.m. or 2 a.m. Because there are 3 different kinds of dreams. From midnight to 3 a.m. This is another kind of dream. From 3 a.m. to 5 a.m. There's another kind of dream. And from 5 a.m. to 7 a.m. It's another name of dream there. So you can put the details. This will allow you to check after when you are doing the follow-up of your dreams. Whether this one has come to pass or has manifested or no. What happened with this other dream? Okay, yes, this one came to pass, this one manifested. Okay, this one. And also to see the continuity of dreams. Because sometimes God will not give you everything one day in one dream. Give you today a part of it, or the first part. Then maybe after 2 months, the second part, or after 3 months or 1 month, the third part. So when you write it down, it will allow you to check the continuity. How this thing is evolving until the end. Donc, je disais que le 10e point, vous devez avoir un carnet de notes pour noter. Et quand vous notez, ça vous permet de vérifier après quel rêve s'est réalisé ou pas. Et parfois, Dieu aussi ne vous parle pas totalement, ne vous donne pas toute l'histoire en un seul rêve. Il va vous parler, il va vous donner une partie de l'histoire, après, il va vous donner la suite. Donc, pour pouvoir noter la continuité, comment est-ce que cette partie, j'avais rêvé de ça, telle date, après Dieu m'a parlé de ça, ah, ça rejoint, ah, ce qu'il m'avait dit avant, ça rejoint ce qu'il m'a dit aussi hier, ça continue comme ça. Donc, c'est bon de noter. Donc, le 11e point, c'est que nous devons comprendre que les rêves et l'interprétation des rêves sont un agenda pour l'action. Les rêves et l'interprétation des rêves sont un agenda pour l'action. Voilà, donc si Dieu nous montre des rêves, si Dieu nous montre des choses c'est-à-dire nous révèle des choses, des messages, c'est pour que nous puissions agir. Et agir, c'est faire quoi? C'est prier là-dessus.
c'est prier là-dessus, prier pour que ça s'accomplisse, c'est des bons rêves, ou prier pour annuler, c'est des mauvais rêves, ou donner le rêve à la personne, parce que mieux pour vous parler, pas pour vous, peut-être pour votre frère, pour votre ami, pour un voisin ou un parent. Donc, pour donner l'explication à ce parent-là, c'est pour que ce parent agisse, ou vous agissez avec lui, ou alors vous agissez toute seule. Parce que le rêve vous concerne, vous, votre vie à vous. Parce que normalement, Dieu révèle à chacun des rêves selon sa vie, selon sa culture, selon son niveau spirituel et selon ce qui va arriver dans sa vie. Donc, les rêves, c'est pour l'action. Ce n'est pas pour croiser les bras et voilà, se dire que bon, j'ai rêvé, bon, comme on dit souvent, ah ben, c'est juste un rêve, hein, mais ça n'a pas d'impact. Non, non, non. Il ne faut pas, pas prendre ça comme ça. Imaginez-vous, par exemple, que Joseph, comme j'ai dit tout à l'heure, Joseph n'avait pas eu l'interprétation du rêve de Pharaon dans la Bible. À l'époque, le monde entier, c'était juste l'Égypte. Il n'y avait pas d'autres pays après. Donc, l'Égypte serait mort affamée, tout le pays serait mort affamé, famine, parce qu'il y a personne, il n'y avait eu personne pour interpréter le rêve de Pharaon. Donc, c'est vraiment important, les rêves. Dieu parle par les rêves. Il a parlé à Abimélec par les rêves, il a parlé à Jonas par Jonas, à Joseph, il y a plein de prophètes, plein de personnes, à Samuel, plein de personnes, ils parlaient par les rêves. Donc, ne négligez pas vos rêves. Deuxième, don't neglect your dream. Because God give you a dream, an interpretation is for you to act. It's for an agenda. It's for you to take action. It's for you to take steps. Yes, so that the thing will not surprise you. Yes, life should not surprise you. Events in life. Because God is always talking in one way or the other. So, make sure, like I said, if Joseph was not there to interpret the dream of Pharaoh, the whole Egypt, that was the whole world at that time, they would have died from famine because there was nobody to interpret. Number 12. Deuxième point, il nous dit que when the Holy Spirit reveals things to you, that may be a friend is fighting you in a dream. Yes. Don't go and tell the person that. Don't fight anymore. Yes, because it's not by not it's, the battle is not physical. Yes. Don't tell the person, oh, I saw you in my dream, so. You were doing this to me. I don't want you. You are no more my friend. No. You should be wise about it. How to be wise? This is the 12th point. 12 points. Comment appliquer la sagesse lorsque nous recevons un rêve? Ou quelqu'un, on voit peut-être un ami ou une connaissance qui nous combat dans le rêve, qui nous fait du mal. Ou voilà. Parfois, ce n'est pas cette personne. Parfois, c'est le diable qui utilise son visage. Et parfois aussi, c'est cette personne. Ça peut être même cette personne. Mais n'allez pas le rencontrer pour lui dire, oh, ne viens plus dans mes rêves, tu vas voir, ou aller bagarrer avec lui, lui faire des problèmes, des chamailles, ou tout ça. Non. Vous appliquez la sagesse, vous priez. Vous priez. Et si vous avez vu son visage, vous appelez son nom en rêve. Si c'est vraiment lui, alors ça va repartir. Vous renvoyez ça à l'envoyeur. Si c'est lui, lui-même, il va s'éloigner de vous petit à petit. Oui, vous n'aurez même pas besoin de lui parler. Non, non, non. Spirituellement, il va sentir le feu. Voilà. Et si ce n'est pas lui, l'esprit qui se cachait derrière lui, qui connaît son visage, va partir. Votre amitié va continuer tranquillement. Donc, ce n'est pas physique. C'est spirituel. Voilà. Ce n'est pas physique. Voilà, donc ne lui dites pas ça, parce que si vous lui dites que c'est vraiment lui, il va être surpris parce qu'il ne veut pas que vous les voyez. Si vous leur dites que vous les voyez, ah, c'est un problème, ils vont aller augmenter le niveau de sorcellerie pour que vous ne les voyez plus. Donc, quand vous voyez, Dieu merci, Dieu vous a donné l'information, vous traitez cela vraiment de la façon spirituelle que vous pouvez. Si vous ne savez pas comment faire, allez vers un leader spirituel, un homme de Dieu, une femme de Dieu, vous expliquera comment faire. Deuxième point. Go to a man of God if you dream such a dream. If you don't know how to deal with it, they will show you how to make spiritual warfare, how to pray about it, and that evil spirit will go. If it's that friend himself, the friend himself will go away from you without you fighting him physically. Number 13, troisième point, c'est que vous devez savoir comment prier contre la sorcellerie. You must know how to deal with witchcraft. Witchcraft, evil dreams. Learn how to pray in the middle of the night. That is from midnight to 3 a.m. or from 3 a.m. to 5 a.m. This is spiritual warfare. Warfare. You must be doing spiritual warfare. And when you do spiritual warfare, that is you are praying the night like this.
backfiring their arrows, backfiring their evil things that they are shooting with the tree. You must seal the mouth of your door, the door of your mouth. Yes, seal the door of your mouth. Don't be eating in people's place. Don't be going to parties, be eating there. Don't be going to somebody's house and sleep over for that period that you are taking for delivering yourself for praying about that evil dream. Yes, because they will use those channels to add them more to fight back your prayer. So, and not allow somebody to come and sleep over in your house. Yes, so don't eat somebody's house. Sorry, don't eat somebody's meal or food. Don't go to parties to eat there. Don't be going to how to sleep over, and don't allow somebody to come to your house and sleep over. And the 1 week that warfare period that you take to fight back that evil dream, fight back witchcraft. So, troisième point, lorsque vous priez, vous devez apprendre à prier contre la sorcellerie. Prenez à prier au milieu de la nuit. Des prières de nuit, de minuit à 3h du matin, de 3h à 5h du matin, voilà, c'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Et pendant que vous faites le combat spirituel, vous pouvez décider de le faire pendant une semaine ou 2 semaines. Fermez la bouche de la porte de votre bouche. Ne mangez pas la nourriture de chez quelqu'un ou d'autrui. Cette période-là, et évitez d'aller dans les fêtes où vous allez manger là-bas les nourritures des gens. Comme on a cuisiné pour la fête, donc n'allez pas. Et ne parlez pas aux gens aussi de vos plans, de vos, voilà, ce que vous avez envie de faire. Et voilà, don't go to people's. Pardon, n'allez pas dans les maisons des gens et passez la nuit là-bas. Non. Et ne pas, permettez pas aussi que quelqu'un vienne chez vous passer la nuit pendant cette période de combat spirituel. C'est très important. Donc, que Dieu nous conduise et nous garde. Le 14e point, c'est que nous devons savoir que lorsque nous rêvons, que nous ne voyons pas les visages clairement, ou bien le rêve est obscur. Je vais vous rappeler, j'ai vu le rêve, j'étais dans tel bâtiment, comme ça, c'était comme ça, mais à un moment donné, tout était noir, tout était obscur. Il n'y avait pas les visages. On voit toujours des gens qui nous poursuivent, mais on n'arrive pas à voir le visage. Quand vous voyez ça, rendez-vous compte que c'est l'ennemi qui veut vous garder dans l'ignorance pour continuer son travail. Vous devez combattre ça. Seigneur, je veux voir le visage, oui, de la personne. Je veux voir la couleur que la personne, le vêtement de la personne, quelle était la couleur. Cette chose que j'ai vue là, quelle était la couleur. Parce que même dans l'interprétation des rêves, les couleurs comptent, les couleurs. Donc, si vous n'arrivez pas à voir, tout est obscur, tout était noir, tout était bizarre. Donc, vous devez combattre cela. Vous devez prier. Prier. Parler en langue. Prier. Se rapprocher de la parole. Se nettoyer spirituellement. Abandonner les mauvaises choses, les mauvaises habitudes qu'on a pour pouvoir être plus spirituel et pouvoir voir plus clair. Parce que le rêve qui est venu flou, si vous vous arrangez, c'est comme Dieu vous explique, vous priez plus, vous abandonnez le péché ou bien vous laissez les mauvaises choses, le même rêve va revenir. Il va revenir. Vous commencez à parler en langue. Il va revenir ce rêve-là. Et il sera clair cette fois-ci. Et Dieu vous montrera quoi faire, ce qu'il voulait vous dire. Vous allez même vous rappeler que, ah, j'avais pu, c'est vrai, j'avais vu cette partie de rêve-là, c'est ça, j'étais flou, mais j'avais vu cette partie-là, ah, maintenant c'est clair, ça va revenir. When you dream and don't see clearly, face is dark, you know, j'ai déjà dit ça en anglais, je crois. The devil wants to keep your ignorance to continue his way. So, pray about it and be speaking in tongues, become more sanctified, that same dream will come back. And it will be clearer. It will be clear. You will see well now, and you will know what to do. Number 15. Be more positive. Soyez positif. 15e point. Chantez les louanges et restez loin de la négativité. Si vous savez que quand vous regardez le journal, après vous sentez mal avec les mauvaises nouvelles, oh tel a assassiné tel, oh tel crime, tel a tué tel. Restez loin de ces choses-là. Ça trouble votre esprit. Si vous avez des amis qui sont toujours en train de vous dire des choses négatives. Des choses négatives, des plaintes, des choses qui ne vous arrangent pas. À un moment donné, coupez un peu de ces fréquentations-là, ou bien que ce soit un peu rare, voilà, soit que tout le temps les mêmes amis, voilà, qui vous disent n'importe quoi, ça va vous faire avoir des cauchemars, des mauvais rêves.
So, be a more positive person. Sing praises, songs, be joyful, stay away from negativity, fear news. You have some friends that are always giving complaining, fear news, those news that will not help you. Yes, it will trouble your spirit and you have nightmares. That is, be far from those things. Numéro 16, be a prayerful person. 16, be a prayerful person. Soyez une personne qui prie beaucoup. A Bible reader. Lisez la Bible. Hein? Écoutez les messages qui vont fortifier, qui vont fortifier votre foi. Un jour de jeûne. Parce que voilà, quand on prie aussi pour les mauvais rêves, il faut associer le jeûne à la prière. C'est très important. Have a fasting day, apart from the church fasting day. But normally, some many revival churches, they have a fasting day. Yes. But apart from that fasting day, if you are a dream person that used to receive message from God, you must have your own fasting day apart from the church fasting day. Because you are a vessel, you are a carrier, you are a messenger, you are a transferer of messages for yourself and for others. So you can't afford to live a normal eating and drinking life, pleasures, like everybody. But remember that you're Joseph. Joseph was given a sanctified life in the house of Potiphar. He was sanctified. He refused to sleep with the wife of Potiphar. Priez beaucoup, lisez les messages, comme je l'ai dit, portez votre foi, parce que vous. Et un jour de jeûne, à part le jour de jeûne de l'Église. Voilà, parce que vous êtes un vase. Vous êtes quelqu'un qui transporte le message, la bonne nouvelle de Dieu. Vous êtes un messager, vous êtes quelqu'un qui transfère ces messages-là pour vous-même et pour les autres. Parce que Dieu vous donne le message, comme vous partagez ce message à ceux que ça concerne. Vous leur donnez le message. Et pour vous-même, pour que vous puissiez prendre des actions et pouvoir éviter le pire. Et rappelez-vous que vous êtes comme un Joseph. Vous ne pouvez pas vous permettre de vivre de vie n'importe comment, manger, boire comme les autres, une vie de plaisir. Comme tout le monde, non, non. Joseph vivait une vie sanctifiée. Dans la maison de Potiphar, il a refusé de dormir avec la femme de Potiphar. Or, elle s'offrait à lui gratuitement, comme ça. Donc, c'est ça. Donc, 17e point, you must know how to deal with witchcraft. Je reviens encore sur. Vous devez savoir comment vraiment la sorcellerie, parce que beaucoup de rêves, de mauvais rêves, c'est souvent des attaques de sorcellerie. Et la Bible dit dans Exode 22, verset 18, que tu ne laisseras point vivre la magicienne. Voilà, Exode 22, 18. Bible says, Exode 22, verset 18, that thou shalt not suffer a witch to live. Donc, lorsque vous priez, vous avez un mauvais rêve, vous vous réveillez le matin, vous priez, un des signes que ce rêve-là, c'est une attaque de sorcellerie, vous aurez les mains qui vous démangent, des bouts de doigts. Vous commencez à vous démanger. Vous allez sentir comme des démangeaisons. Comme ça vous picote. Oui, ça vous picote des bouts de doigts là, et puis des bouts des orteils. Ça va picoter comme ça pendant que vous êtes en train de prier. Donc, quand vous ressentez ça veut dire que vous devez augmenter le niveau de prière. C'est-à-dire aller encore au-delà. Si vous ne priez pas en langue au début de la prière, commencez à prier en langue. Rentrez dans une profondeur vraiment de combat spirituel. Ça veut dire que c'est un niveau élevé. Vous allez sentir, votre corps va même pas vous dire. Vous faites comprendre que ça, c'est un autre niveau. Donc, vous ne blaguez pas. Vous renvoyez les flèches à l'envoyeur. Vous renvoyez le feu. Vous coupez leur tête. Parce que là, c'est eux dont on n'a pas de pitié. La sorcellerie, quand ils viennent, c'est pour vous détruire. C'est pour vous tuer. C'est pour vous anéantir. Ça ne blague pas. Donc, prenez cela au sérieux. So, when you are praying over a bad dream and you feel your fingers are like itching or tingling. This ends of fingers here. They are itching or tingling like, or in the toes. The toes will be doing the same thing, itching or tingling like this. You should know that this dream is about witchcraft attack. And then you increase the level of prayer, the level of spiritual warfare, and don't play with them. You backfire them, you send them arrows back to them 7 times. You cut their hair, you send fire over them. You don't play. Don't play. Because witchcraft is very, very dangerous. They come to kill you, to destroy you, to finish your life for once. So don't be joking with those things. Number 18 or 18th point,
Live a life of privacy. Ayez une vie cachée. C'est-à-dire, ne divulguez pas tout ce que vous faites. Ne rendez pas ne donnez pas le témoignage un témoignage qui est encore en train de se faire. Vous commencez à le partager. Par exemple, vous avez fini vos études, vous cherchez du travail, vous n'avez pas de travail, et Dieu vous fait grâce. On vous appelle pour un entretien, vous avez déposé les dossiers, on vous appelle pour un entretien dans 2 semaines. Vous commencez à témoigner. Oh, vraiment, oh Dieu merci, j'ai eu un entretien, on m'a appelé là. On vous dit, je vais avoir un entretien dans 2 semaines. Vous montez à sur l'autel de l'église. Oh, j'ai un témoignage. Donc, j'aurai un entretien dans 1 semaine. Non, attendez de signer votre contrat de travail. Et même peut-être même de prendre votre premier salaire. Vous êtes sûr que là, j'ai déjà mon contrat, j'ai déjà mon. Voilà. Puis vous allez témoigner. Laissez que le témoignage soit complet. Pareillement pour une femme enceinte, par exemple, même si elle est restée 17 ans, je ne sais pas combien d'années sans avoir des enfants, au début de la grossesse ou bien pendant qu'elle est enceinte, elle ne doit pas monter à l'hôtel témoigner, je suis enceinte. J'ai attendu tellement longtemps. C'est vrai, elle est contente, mais elle doit attendre que l'enfant ne pas dans ses mains. Quand l'enfant est né, là, elle témoigne. Voilà, c'est des choses comme ça que on fait dans l'ignorance. Et puis, après, des femmes se retrouvent en train de faire des fausses couches, voilà, d'entretien de travail n'aboutit jamais. Vous n'arrivez pas à signer votre contrat de travail parce que vous avez témoigné tout. Pas seulement à l'église, témoigner à l'église, même dire aux gens autour de vous. Allez à votre entretien de travail sans dire à personne. C'est le mot Saint-Esprit qui vous guidera, qui vous dira quoi faire. Voilà. Priez pour cela, Seigneur, là où je vais à l'entretien, que le juriste soit favorable. Je prends possession. Tout lieu que la parole de Dieu va filer, je me donne en position. Donne-moi la sagesse de pouvoir répondre aux questions et tout, et tout, et tout. Comme ça, vous priez que vous partez pour votre entretien. Donc, et ensuite, nous sommes déjà au 19e point. So, yes, the 18 points, as I was saying, don't share your testimony that is still on the making. Yeah, let the testimony to be complete. Like you have an interview for job, you go and say that, oh, thank God, I will have an interview in 1 week. And they will spoil the thing before you go to the interview, you will not even get the day, or you will be sick before the same day of the interview, you will be sick, you will not even have strength to go and do the interview. So even for the pregnancy, it's when you have the baby, when it's complete, that we can testify. So don't tell your testimonies that are still in the making. It's not complete yet. Number 19, 19 point, don't advertise your children, your husband, your things, your belongings, my car, my house, my business. Especially your children. Don't over-advertise them. Don't make sure show, oh, this is my car. You know how much I bought it in London, in this, that. This is ridiculous. And you are exposing yourself. It exposes you. Donc, je disais numéro 19, ne faites pas la publicité de vos enfants, de votre mari, de votre maison, de ce que vous avez comme des choses précieuses que vous avez. Voilà, c'est ridicule. Oh, ça, c'est ma voiture, ça, des boucles d'oreilles. Oh, mon petit, j'ai acheté en or, j'ai acheté ça à Londres, j'ai acheté ça à Paris. Et ça me coûte coûté tel prix. Ça ne sert à rien, c'est ridicule. Ça vous expose aux sorciers, aux sorcières qui écoutent, ils vont vous faire du mal. Surtout vos enfants. Vos enfants. Apprenez à ne pas trop exposer vos enfants. À ne pas trop faire la pub. Ma fille, hein, ma fille est la plus belle, machin, elle est ceci, elle est cela, elle est ceci, elle est cela. Oh mon fils, elle est là. Donc, imiter, c'est vrai, c'est la joie, c'est. Voilà, chaque parent a toujours envie de parler de ses enfants, mais n'en faites pas trop, quoi. Voilà. Numéro 20, c'est l'avant-dernier point, 20e point. La déclaration que nous devons déclarer le matin qu'on se réveille, c'est là où nous prenons possession de ce qui nous appartient, ce qu'on a eu dans le rêve. C'est là où nous prenons, nous positionnons. Voilà. The morning declaration, the morning walk is declaration. Yes. When you wake up in the morning, the good dreams, you declare that they will come to pass. It shall be permanent. Nothing will hinder it. Nothing will stop it from coming to pass. Le bon rêve doit s'accomplir. Oui, vous croyez là-dessus. Et ça va être permanent. Rien n'empêchera ce bon rêve que j'ai eu de se manifester. Maintenant, les mauvais rêves, vous devez prier. Comme on a dit là, donc, prier, vous renvoyez ça à l'envoyeur, vous renvoyez les flèches dans leur camp, vous déclarez que ça ne va pas s'accomplir. Je refuse que cela s'accomplisse dans ma vie. Je refuse, je refuse, je refuse. Voilà. Et puis après, vous faites le combat spirituel, comme on a dit, prier.
milieu de la nuit, vous jeûnez, vous prenez 2 jours ou 3 jours de jeûne ou 5 jours de jeûne ou bien une semaine, ça dépend comment Dieu, le Saint-Esprit vous parle, vous dit de faire. Et comprenez que vous ne devez pas être bloqué par un mauvais rêve. Donc, votre vie n'est pas déterminée par les rêves. Les rêves, c'est juste des directions, des instructions, voilà, que Dieu nous donne pour pouvoir avancer et éviter de tomber dans des pièges par-ci, par-là. Mais votre vie est déterminée par la parole de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, vous êtes, Dieu a tout mis dans sa parole. Il a dit ce qu'il va faire pour vous. Les bénédictions qui vous accompagnent, les soucis, son plan pour vous. Tout est dans la parole de Dieu. Voilà. C'est la parole de Dieu qui est notre standard, qui est notre modèle. C'est ce que nous suivons, voilà, dans nos vies. Donc, ne laissez pas un rêve vous bloquer. Vous avez peur parce que vous allez rêver un mauvais rêve. Vous ne pouvez plus rien faire. Vous devez commencer un business. Vous ne commencez même pas parce que non, le rêve que j'ai fait là, ça signifie que si je commence cette entreprise-là, ça ne va pas marcher. Ou ceci, cela. Non. Ne rentrez pas dans ça. Et vraiment, soyez encouragés. Et que la parole de Dieu, vous pouvez prier psaume 34, verset 7, fait de l'éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Voilà, recommande ton sort à l'éternel, mets ta confiance en lui, il agira. C'est un psaume qui peut vous aider dans ce sens. Delight thyself, psalm 34, verset 7, delight thyself also in the Lord, and he shall give thee desire of thine heart. Commit thy way unto the Lord, trust also unto him, and he shall bring it to pass. Amen. And the last point, number 21, is don't say why they hate me so much, why they do this to me. This is a foolish question, foolish complaint, because the heart of the man, the heart of man is wicked above all things. They may have seen a star in you, or they have vowed that they will not let it shine over their dead bodies. You need to survive, you need to fight back. All that are surely gathered, the Bible says, are surely gathered, but they will not prevail. So, as you know that, you should fight back. Know that even Jesus Christ did not do anything, but they gave him a shameful death on the cross. Why? Why they did it? What have Jesus done for him to deserve that kind of death? So, if they did it to Jesus, then what about you? You are a little thing before them. They are there, the demons. The devil and his cohort, they are there outside to do evil. Evil people, there are some evil people, they are born evil, they will die evil. So, your own is to fight. Fight, it is eye for eye, eye for eye, teeth to teeth. Don't play with them. Don't play with them. Donc, il disait, le point numéro 21, c'est ne te plains pas, ne te dis pas pourquoi moi, pourquoi est-ce que c'est moi qui vois ces choses, pourquoi est-ce que Dieu me. Les gens m'attaquent. Les attaques de sorcellerie, je vois ça dans les rêves. Pourquoi est-ce que les gens me haïssent et tout? Ça ne sert à rien. C'est une question vraiment très, très bête. Le cœur de l'homme est méchant. L'homme est méchant. Et comme ça, il y a des gens qui naissent méchants, mais ils meurent méchants. Et il y a le diable et sa cohorte, des démons qui sont là pour faire le mal. Ils sont partout. Voilà. Ils ont juré de ne pas laisser, ils ont peut-être une étoile en vous, ils ont juré de ne pas laisser cette étoile briller. Donc, ce que vous faites, c'est de combattre. Voilà. Parce qu'ils formeront des plans contre vous. Ils formeront. Donc, vous n'allez pas les empêcher de se rassembler pour former les plans. Mais, vous combattez. Là, il y a la lumière. Les ténèbres ne comprennent pas. They will not like. The darkness will not comprehend it. And they will not accept it for you to shine. So, where there is light in the darkness, all the insects will come to the light. It's either to use the heat of the light, or they will come to you, either to help, to that is to admire you. Some of them who are sincere, the other one will just come to steal from you, to steal it from you, or to suck you, or to do you evil. So, with all those things, you should know it from the word of God says it all. La parole de Dieu nous dit déjà cela. Voilà, nous sommes prêts, nous sommes préparés, voilà, à combattre. Bon, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je bénis Dieu pour la grâce. Il m'a fait ce matin de pouvoir vous parler. Et je reviendrai vers vous avec une autre vidéo, certainement sur les différents types de rêves. Il y a 3 grands types de rêves qui reviennent plusieurs fois. Et bon, ça prend d'autres, plusieurs formes. C'est souvent les rêves où les gens mangent la nuit, dans les rêves où les gens ont des couches de nuit, le sexe dans les rêves, les maris de nuit, les femmes de nuit. Et puis, il y a aussi un rêve qui revient souvent, c'est les rêves où les gens
se voient toujours dans leur village, dans leur maison familiale. C'est comme ils retournent en enfance. Ils se voient dans leur ancienne école, leur ancien lycée, leur ancienne université. Voilà, ils ne comprennent pas pourquoi ces rêves reviennent, où ils sont toujours dans leur passé. Voilà, j'aurai le temps, si Dieu me fait grâce, d'expliquer un peu comment est-ce que ce que ça signifie, comment est-ce qu'il faut agir lorsqu'on a touché un rêve. C'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Voilà, restez bénis. Je vous salue les étoiles. Bye bye, my stars. See you then. À la prochaine. Merci. Voilà. Au revoir.